amis, c'est Sophie. J'espère que vous allez bien et que tout va bien dans vos jardins. Nous nous retrouvons aujourd'hui au potager pour une petite vidéo sur les poivrons. Les poivrons qui font partie de la très grande famille des solanacées, qui compte 1001 variétés et 1001 couleurs. Le poivron est facile. Je vous explique ça tout de suite. Le poivron aime les terres riches, amendées, bien drainées. Et pour ce qui est de l'exposition, il sera en plein soleil. C'est un légume d'été. Il ne faudra pas planter le poivron près des pommes de terre, des haricots, du chou, de l'ail, l'oignon, la ciboulette, la famille des aliacées, mais non plus à côté des solanacées, leur propre famille, c'est-à-dire les tomates, les aubergines, etc., etc. Par contre, vous pourrez mettre du basilic, de la salade. Il y a des bonnes associations avec le poivron qui sont faciles. Vous pourrez aussi y mettre des aromates, par exemple. Pour ce qui est des fleurs, elles peuvent arriver par dizaines. C'est elles qui forment le fruit. Il faudra donc en retirer une partie pour ne pas avoir trop de fleurs sur le pied et ainsi favoriser des poivrons plus gros. Les poivrons et les piments sont de la même famille. Ils se cultivent de la même manière. Lorsque votre pied de poivron aura grandi, il faudra le buter avant le paillage. Ainsi, vous ne risquerez pas l'apparition des racines lors de l'arrosage. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne butez pas et vous ne paillez pas vos légumes. Les racines de vos pieds seront apparentes au fur et à mesure des arrosages et affaibliront votre plant. Après avoir buté votre pied, et enlever les feuilles qui touchent le sol, vous pourrez apporter de la consoude. Sa décomposition est douce et elle apportera une valeur nutritionnelle à votre plante assez intéressante. De plus, elle permettra aussi à votre plant de ne pas tomber malade. Après avoir buté, enlevé les feuilles, mis de la consoude, il faudra pailler. Le paillage est crucial. Il faudra un paillage très épais. Ainsi, 75% de l'évaporation d'eau n'aura pas lieu. Pour ce qui est de l'arrosage, il faudra arroser copieusement une fois par semaine si votre sol est paillé. Si votre sol n'est pas paillé, attention à bien regarder le feuillage. Si le feuillage est tombant et que les fruits sont rabougris, c'est que votre plante manque d'eau. La récolte du piment ou du poivron sont très simples. Il vous suffira simplement de le soulever comme ceci et la tache devrait casser ici. Si la tache ne casse pas, c'est que le poivron n'est pas prêt. C'est surtout valable pour les poivrons de couleur qu'il faut attendre qu'ils soient très gros et la peau très brillante. Vous pourrez quand même cueillir les verts si vous en avez besoin. Mais pour ceux de couleur, il faudra les laisser sur le pied jusqu'à ce que ça se casse tout seul. Afin de favoriser le grossissement de vos fruits, mais aussi la continuité de votre culture, il faudra constater que le poivron, comme le piment, a deux branches en V comme ceci, et que le fruit pousse à l'aisselle. Il faudra donc prendre la branche qui sera porteuse du moins de fleurs. Là, nous en avons une, et là, sur celui-ci, il y en a une dizaine. Donc, nous couperons celle de droite. Nous la couperons au-dessus du poivron comme ceci. Comme ça, dès la cicatrisation, le poivron grossira. Une fois que vous le retirerez, qu'il sera assez gros, eh ben, la sève continuera à monter et partira sur cette branche-là, vous donnant encore plus de poivrons. Si votre plant ne fleurit pas, il faudra lui apporter un petit peu de purin d'ortie tous les 15 jours, mais aussi un petit peu de purin de consoude qui favorisera la floraison, donc la fructification. Il peut arriver que vos poivrons tombent malades. À ce moment-là, il faudra retirer toutes les feuilles malades et ajouter du purin de prêle qui vous donnera un pied tout neuf. Si cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Permaculture Simple ainsi que sur notre groupe d'entraide Facebook où vous pourrez poser vos questions et nous y répondrons du mieux que nous pourrons. Gros bisous les amis, à bientôt, j'espère que ça vous a plu.